téléspectateurs, téléspectatrices de partout, bonjour, bonsoir et bienvenue au bord de la caravane pour cette troisième sortie de Soleil d'été 2022. Maintenant, je vais saluer une personne qui est vraiment spéciale pour moi. Eh bien, je parle bien de ma coéquipière, Naïka Seyid. Bonsoir, Naïka. Bonsoir, Reishana. Je suis toute joyeuse de te retrouver pour un tout nouveau numéro de Soleil. Soleil. Bien dit, Naïka. Et maintenant, je crois qu'aujourd'hui, nous allons encore auditionner 6 de nos rayons, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, donc, est-ce que tu peux nous les citer, s'il vous plaît? Nous avons en tout premier lieu Louis-Steve Biko, que je vous demande d'applaudir. Louis-Jose Virginia est là. Massillon Stéphanie. Morose Bedjuna. Odige Aldeli. Odige Wilgaela. Et maintenant, nous ne pouvons continuer sans remercier les amis de Soleil d'été 2022. Je parle des sponsors. Je vous demande d'applaudir Chaco, FNE, World Vision, les Zéphyrs de Tabar, Correct Pro. Mais sans oublier, Shana, sans oublier qui? Nos fameux juges. Que je vous demande d'applaudir chaleureusement Saraïka François, Ludnir Diane Augustin, David Pierre-Éric Etienne Dirico. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Bon, nous allons prendre une petite pause bien avant d'auditionner nos rayons. Mais bien sûr. Mettez-vous debout, on va danser ensemble. De l'amour. Soleil d'été 2022. Vous t'entendez, vous? Depuis 2 ans sur le marché littéraire en produisant des livres de tout genre. Sans souci majeur de travailler avec et pour les jeunes. Dans cette optique, elle se lance dans une campagne qui fait la promotion de nos sites et de nos personnages historiques, de quoi réveiller nos âmes patriotiques qui sommeillent trop longtemps dans une société en crise socioculturelle. Cette campagne vise nos enfants et écoliers à qui nous offrons des kits scolaires, cahiers, agendas et livres de jeunesse de bonne qualité.
Elle veut les accompagner tout au long de leur éducation et leur inculquer le sens du devoir civique pour l'avenir de notre beau pays. Correct pour le futur de nos enfants. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télésoleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé-Haïti, mais aussi sur New TV. Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télésoleil et notre chaîne YouTube Radio Télésoleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télésoleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Ce qui se dit, ce qui se fait sur Télésoleil s'entend et se voit sur tout le territoire national. Dans le nord, le nord-est, le nord-ouest, l'Artibonite, le centre, l'ouest, le sud-est, l'ENIP, le sud et la Grand'Anse sur le bouquet de Canal+. Désormais, le soleil se lève partout. Chaque fois que je vais goûter, tout le monde peut chanter, je vais relever en moi. Il fait un petit mi local, son petit qui est naturel. Je vais vous camper, mine, je vais malta H, il charge vitamine. Ouais, malta H. Je vais malta H, il veut plaisir. Ouais, malta H. Je vais bouter là pour faire qu'un content. Ouais, malta H. Sauter, couper, bouger, danser. Ouais, malta H. Malta a c'est un produit Brana qui fait ta pitimi local. L'année 2021, Télésoleil fête ses 12 ans. 12 ans. Et depuis le 12 janvier, les fidèles catholiques ont la possibilité de nous regarder sur la chaîne 184 de Canal+. Le soleil se lève partout. Partout. Il y a un petit monde qui a un bon genre d'information qui a protégé la tête avec l'autre petit monde. Si on a un ami ou ou sinon, yon moun ki pi gran pase ou, mande ou pou gade video moun toutouni avec li, soit sou tablette li, téléphone li, ordinateur li, c'est pour dire non. Non, non. Les amis, si vous venez à peine de vous brancher, je vous rappelle que vous suivez la chaîne 25 et votre émission préférée qui est Soleil. D'été. Soleil. D'été. Bien dit Naïka, et je vous rappelle que Soleil d'été est un concours de chant organisé par la Télé Soleil pour les enfants de 9 à 12 ans. Cette année, Soleil d'été est supporté par Tchako, FNE, World Vision, PNCS, les Zéphyrs de Tabar et Correct Pro. Sans oublier Malta H. Et maintenant, nous allons commencer avec les prestations. Mais bien sûr, le moment tant attendu. Eh bien, on appelle en première position Louis Steve Biko. Garçon sur le plateau. Bonsoir Biko. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Je vais très bien. Donc, moi j'aime le coup, je dis. Hein? Merci. Et qui ça que vous portez pour nous? Jaloux de Dadjou. Comment? Jaloux de Dadjou. Oh, jaloux. Comment ça, jaloux? Et pourquoi? En fait, pour qui ça, c'est ça que vous choisissez? Interpréter je dis. Hein? Parce que moi, j'aime Dadjou en pile. Oh, ok. Vous êtes fan de Dadjou. Oui. Eh bien, mesdames et messieurs, applaudissez Biko dans Jaloux de Dadjou. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais.
Avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je doute pas de nous. Ensemble, on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes, je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du salage, je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du salage, je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu t'embellis, t'aimes mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier, oh mes femmes, pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Vibrer sous ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Vibrer sous ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah, yeah. Je ne sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de juste devenir des amis. Je ne sais toujours quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, mais méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, en commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du salage, je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du salage, je ne sais combien de femmes, et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sans pitié, interdit les approcher. Avec le temps, tu t'embellis, t'aimes mieux que ça balotelli. M'en veux pas de me méfier, oh mes femmes, pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Vivre sous ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien, t'es la femme de quelqu'un. Vivre sous ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah, yeah. Jaloux, jaloux. Même si j'ai confiance en toi, mais suis jaloux, jaloux. J'ai confiance en toi, mais suis jaloux, jaloux. J'ai confiance en toi, mais suis jaloux. Oh, oh, ah, merci. On dirait que Steve est jaloux, Rishana. Apparemment. C'était avec vous, Louis Steve Biko dans Jaloux de Dadju. Que pensez-vous, les juges? Merci, Steve Biko. Et merci pour la prestation là. Sauf que Steve, moi j'ai senti un tantigeant trop vague sous scène. Moi c'est musique ça, gampil chaleur là dedans, moi t'ai paraît trop vague pour moi. Ou t'ai plus paraît ton monde qui a récité parce que contexte sous. OK, donc c'est à féliciter ou apprendre texte ça. Mais ou t'ai manqué mettre engouement là dedans, t'ai manqué mettre expression faire mon envie tendre ça faire, OK? Donc, pour moi, tout, je pense que vous avez une musique qui est trop bas. Ça fait que les gens manquent de chaleur. Je vais encourager avec un 6,75. Merci, Steve, pour la prestation. Alors, commentaire pour nous, c'est pratiquement les mêmes que Paris Koyo. Moi manqué en certaine nonchalance sous scène là, c'est comme si son bala ou t'a précité, c'est un chanté que t'a précité. Tu connais très bien ton texte mais ou tellement focus sur texte là que ou t'es manqué mais tes charmes que normalement voix d'adjou gagne là-dedans, que musique jaloux en soi gagne là-dedans. OK, tu connais ton texte mais une prestation n'est pas que le texte, il y a la mélodie de la chanson, il y a le charme que tu dois apporter tout ça à la prestation et c'est ça qui pourra le faire un package. Donc la prochaine fois, m'attend OK pour toujours gagne connait texte très bien mais pour tant des musiques en plus pour une variation que chanteur l'a fait avec voix etc. pour avoir une plus belle prestation. Mais pour moi, tout comme Rico, c'est un 6,75.
Merci Biko pour ta prestation. Logiquement, quand les garçons sont en minorité, ils sont très très attendus et on comprend que c'est une grosse responsabilité. Et peut-être que c'est attente ça, responsabilité ça qui fait que ou t'es paraît anti-gens impliqué dans le sens que ou vient chanter mais ou pas vle perdu, donc ça fait que tu étais concentré, trop concentré sur toi-même et il n'y a pas eu suffisamment de communication avec le public. Donc, tu chantais pour toi-même en fait et malheureusement, tu n'as rien pu nous transmettre comme émotion. Mais sinon, je pense que le look était bien et c'est déjà une bonne attitude si on pour porter une autre prestation pour soigner le coup pour sembler artiste ou à interpréter hein. Je t'encourage moi aussi avec un 675. Sans plus tarder, nous poursuivons avec Louis-José Virginia. Bonjour Jose, comment vas-tu? Ça va bien, grâce à Dieu, et toi? Tu vas bien, grâce à Dieu. Tu as de jolis nœuds. Merci. Et que vas-tu nous interpréter aujourd'hui? L'enfant et l'oiseau. Mais quel oiseau? L'oiseau. Bon. Alors nous allons écouter Jose de l'enfant et l'oiseau que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survole la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonné au sable blanc, blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'ombre se lève pour rêver. La vie aux yeux lourds, lourds des matins, naissante des rêves, pour nous donner un monde d'amour. L'amour, c'est toi, l'amour, c'est moi, l'oiseau, c'est toi, l'enfant, c'est moi. Moi, je ne suis qu'une fille de l'ombre qui voit briller l'étoile du soir. Toi, mon étoile qui tisse ma ronde, viens allumer mon soleil noir. Noir la misère, les hommes et la guerre qui voit tenir les règles du soir. Pays d'amour n'a pas de frontière pour ceux qui ont un cœur d'enfant. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est moi. L'oiseau, c'est toi. L'enfant, c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière, qui voit passer au loin des oiseaux. Comme l'oiseau bleu survole la terre, nous trouverons un monde d'amour. Merci. Merci Jose pour cette belle prestation. Et maintenant, nous faisons place à Saraïka pour les commentaires. Bonjour Virginia. Bonjour. Bonne prestation. Mais comme commentaire, je pense que
ou t'es paraît un petit gens timide parce que ou est ton seul côté, OK? Certes, tu connaissais le texte, même parce que ou ka articuler plus, OK? Prochaine prestation, tendez chanter en plus, tendez moi au plus pour ka articuler plus bien, vous comprenez? Et puis bon, ou a chanter l'oiseau et l'enfant, public là pé de chanter, mais malheureusement public là invite, c'est comme si ou même qui était supposé inviter public là, mais c'est public là qui invite dans prestation. Donc c'est quoi qui a mettait plus chaleur dans chanter ça qu'on t'a chanté. Et puis mettait plus gaieté et puis mettait plus expression sur visage ou essayer plus souriante. Pour moi, c'est un 6,75 et j'espère que la prochaine fois tu feras bien mieux. Merci. Je t'en prie. Merci Virginia. J'ai trouvé ta prestation intéressante et parce que je vois que il y a justesse dans notre yo. Sauf que manque petit souplesse, manque quelques techniques quand même, mais justesse dans là, notre yo correct pour moi. Sauf que t'es manqué un petit assurance dans posture, dans qui gens ou à transmettre que je vais interpréter musique là. Ok, donc pendant que voix t'es assez éclatant, mais les abgadéo sous scène, c'est que ton coup voix marcher avec et ça ou j'ai soif faire. Donc l'autre bah en chose c'est tout en package. Donc faut et mon yo envie ouais sous scène tout. Pendant que envie t'as mais envie ouais tout cas bouger. Donc essayer et faire plus exercice là car yo garder ou même cap chanter. Et c'est imiter artiste qu'on prend pour qui sont capables de faire Virginia venir tourner artiste ça ou bien venir semblant artiste tout parce que gain capacité pour ça. OK, moi je t'encourage avec un 7,25. Merci. Merci Virginia pour ta prestation. C'est une jolie chanson qui va bien avec ton innocence quoi. Tu es toute belle, toute innocente et ou vraiment dans ce sens-là choisi un chanté qui allait avec. Et c'est un bon choix encore parce que le public l'en connaît à tel point que l'y accompagne et tout. Donc ça c'est le point fort de ta prestation. Cependant, et non pas que je veuille vous comparer, même trouve un petit ressemblance dans la prestation polan avec la prestation précédente, là, dans le sens que vous êtes trop concentré sur vous-même, trop pressé pour délivrer ce que vous préparé. Hein. Donc, ça vient fait que vous ne pas gagner en communication avec le public là, qui pourtant. T'es bien content d'accompagner. Donc, il y a ton regard qui vacillait. Donc, ou pas imposer, voilà, ainsi. Mais je t'encourage, j'espère aussi que tu vas faire mieux la prochaine fois. En attendant, c'est un 7. Merci. À présent, nous appelons sur scène Massillon Stéphanie. Comment vas-tu, Stéphanie? Très bien. Comme tu es jolie. Merci. Et aujourd'hui, que vas-tu nous interpréter? Je vais interpréter « M'libérer » du groupe Adonai. Mili? M'libérer. M'libérer du groupe Adonai. Alors, Stéphanie va nous interpréter « M'libérer » du groupe Adonai. Je vous demande d'applaudir très fort, Stéphanie. Pas de mots pour remercier, pas de langue qui a parlé, pour bagay ou fait pour moi, pas de langue qui a écrit, pas de l'argent qui a acheté, pas de prix qui a payé. Pour Saint-Jésus découler, pour
Sans Jésus que te t'aime, nan péché nous sauver. Pas un mot pour me remercier, pas un langue qui ka parle. Pour bagay ou fait nan vie moué, pas un langue qui ka bekri. Pas de l'argent qu'a acheté, pas de prix qui a payé, pour sang Jésus te coule, pour moi. Non, 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 alléluia, me libérer, Christ cassé, tout corps péché, moi, garde ma vie pas. Sauvé, alléluia, libéré de même, de fiem, de marais. On y a, moi, pas le monde. Sauvé, on y a, moi, pas le monde. Sauvé. Stéphanie, qu'en pensez-vous les juges? Merci Stéphanie, très belle prestation, très belle voix aussi. Tu as choisi une chanson qui permet de nous vraiment découvrir wow. Donc c'est très intelligent comme choix, c'est une chanson assez difficile, avec des notes difficiles à atteindre, mais tu as assuré, tu as fait une bonne prestation. Et remarque, mais ça ne concerne pas tellement la prestation d'aujourd'hui, c'est un conseil bon pour l'avenir. Et je dis, hein, je pense que vous êtes dans une zone de confort, donc vous chantez, vous aimez, chantez, vous habituez, chantez, etc. Donc c'est bien aussi, c'est bien que vous choisissez une musique confortable avec vous, mais je souhaitais voir dans l'autre registre la prochaine fois. Pour moi, c'est un 8-25. Merci. Merci Stéphanie pour la prestation. Là. Vraiment édifié par la prestation. Là. C'est une très belle vraiment très belle prestation. Et ça me remet, c'est que tu es très présente, tu gères ça nos bien. Bien que tu pas fait trop gros mouvements, mais mouvement était précis et expression tu es arrivé communiquer très bien. Moi ouais que au choix une musique qui est vraiment difficile et Jean Ludnion so dit là, il grand pile et challenge là-dedans, moi vraiment félicite pour ça. Mais moi manqué un petit bail dans voix, c'est que quelque côté il était cassé. Donc connais si c'est grippe ou grippé, non? On pas grippé. Donc si c'est pas grippe ou grippé, gérer respiration plus pour éviter que il casse comme ça. Parce que gain de côté, notre contingence saccadé et puis ça te créer des petites imperfections dans terminaison. Mais même, m'a encouragé avec Yon 8. Merci. Bonne prestation, Stéphanie Massillon. Est-ce que tu connais Sheldon Massillon qui t'est passé dans le soleil d'été? Oui. Elle est de ta famille, c'est ta grande sœur? Oui. Ah, ok. Donc, vous rappelez-moi. Au début,
au début lorsqu'on commençait à attaquer avec notre gravure, moi j'ai pensé que tonalité n'est pas bon pour, mais à la fin leur éclaté, je me suis dit que non, mais ce que je te conseille c'est essayer de travailler plus sur notre gravure, essayer de respirer plus, essayer de faire que notre gravure sorte depuis dans le ventre pour concentrer pour qu'elle sorte puis bien. Travail sur respiration en tout. Et puis, tu conseille tout avec notre justesse. Notre. Donc, qui soit qu'à faire pour ça, c'est tendre mon en plus. Et puis, essayer de reproduire le mieux ça qu'on tendre que mon en fait. Pour notre qu'à sortir plus souple et puis plus juste. Mais côté expression, manquer le soldat. Alors, Stéphanie, je te trouve très mature sur la scène. Ma regarde expression visage ou pas fait trois mouvements, tu ne t'es pas déplacé, mais ton visage disait tout, ton visage transmettait, je peux dire, l'énergie de la chanson. Et ça, c'est un très, très bon point pour toi. Mais tout comme l'a dit Ludien, la prochaine fois, je t'attends dans un autre registre musical. Côté que me parle on nouvelle Stéphanie, c'est un choix aujourd'hui très prudent et pour le début du concours c'est bon, m'a dit que le prudent mais c'est quand même un bon choix, mais la prochaine fois m'attend nous dans l'autre registre, mais quand même elle travaille sous conseil que l'autre Jojo Baoyo, je t'encourage avec un 8. Merci. Après trois petits rayons, ça c'est le moment pour nous observer. Une courte pause, nous retournons juste après. De l'amour. Soleil d'été 2022. Vous entendez tout ça? Aussi majeure de travailler avec et pour les jeunes. Dans cette optique, elle se lance dans une campagne qui fait la promotion de nos sites et de nos personnages historiques, de quoi réveiller nos âmes patriotiques qui sommeillent trop longtemps dans une société en crise socioculturelle. Cette campagne vise nos enfants et écoliers à qui nous offrons des kits scolaires, cahiers, agendas et livres de jeunesse de bonne qualité. Elle veut les accompagner tout au long de leur éducation et leur inculquer le sens du devoir civique pour l'avenir de notre beau pays. Correct pour le futur de nos enfants. Désormais, vous avez plusieurs options pour regarder Télésoleil. Un nom de clair sur la chaîne 25, sur le bouquet Télé-Haïti, mais aussi sur New TV,
Pour les accros des réseaux sociaux, suivez-nous sur notre page Facebook Radio Télé Soleil et notre chaîne YouTube Radio Télé Soleil. Amis de la diaspora, vous pouvez nous regarder sur HLN ou télécharger l'application de Radio Télé Soleil sur Google Play Store ou Apple Store. Eh oui, le soleil se lève partout. Partout. Ce qui se dit, ce qui se fait sur Télé Soleil s'entend et se voit sur tout le territoire national. Dans le nord, le nord-est, le nord-ouest, l'Artibonite, le centre, l'ouest, le sud-est, l'ENIP, le sud et la Grand'Anse sur le bouquet du Canal+. Désormais, le soleil se lève partout. Chaque fois que j'ai un bouteille, tout le monde peut chanter. Je prends relais en moi. Il fait un petit mi local. Son petit qui est naturel. Dès que vous avez campé, mine, voyez un Malta H. Il charge vitamine. Ouais, ouais, Malta H. Malta H. Il veut les cigarettes. Ouais, ouais, Malta H. Des bouches bouteilles là pour faire qu'un montant. Ouais, oui, Malta H. Sauter, couper, coucher, danser. Ouais, Malta H. Malta a c'est un produit Brana qui fait ta pitimi local. L'année 2021, Télésoleil fête ses 12 ans. 12 ans. Et depuis le 12 janvier, les fidèles catholiques ont la possibilité de nous regarder sur la chaîne 184 de Canal+. Le soleil se lève partout. Y a un petit monde qui gagne bon genre information qui a protégé tête li ak l'autre petit monde. Si y a un ami ou aussi non yon moun ki pi gran pase ou, mande ou pou gade vidéo moun toutouni avec li, soit sous tablette li, téléphone li, ordinateur li, c'est pour dire non. Non, non. Après la pause, je vous rappelle que vous suivez Soleil d'été, un concours de chant organisé par la Télé Soleil pour les enfants de 9 à 12 ans. Sans plus tarder, nous appelons sur scène Morose Bijuna. Bonjour Morose. Bonjour. Tu es jolie. Merci. Le blanc te va bien. Merci. Et aujourd'hui, pour ta toute première prestation, que vas-tu nous apporter à Soleil d'été? Walking Love. Walking Love. Nous allons écouter Walking Love de Morose. Je veux marcher comme tu y as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Quand la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour.
jour. Quel que soit le poids des bleus sur l'amour, triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu y as marché. Je veux aimer comme tu y as aimé. Quand tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix, walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Quand la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort, oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour, quel que soit le poids des bleus sur l'amour, triomphe toujours. Walking love, je marche dans son amour. Oh, hey. Hey. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans son amour. Oh. Merci Bijuna pour ta prestation Walking Love. Merci que et aucun bon sens ou comporte bien sous scène là. Sauf que t'es manqué quelques techniques. T'as qu'au faut gérer micro en plus. L'en monter, apprendre et éloigner micro en anticale de bouche parce que et les consoles viennent sonner trop fort, il pas vraiment trop intéressant et elle sorti dans speaker, OK, il pas bon son qui est agréable. Donc éloignez le plus pour capable jouer sous volume voix. Et puis notre manque de souplesse, ni mandé pour travailler plus et si ou gain maestro qui travaille avec vous ou dans chorale sinon et activité ça yo essayer travailler voir plus pour capable améliorer mais même m'a encourager avec un 7. Merci. Merci.
Merci Bijuna pour la prestation. Et moi comme commentaire ou bien comme remarque, moi pense que sous tes premières musiques dans son tonalité plus grave, peut-être que tu as plus à l'aise. Parce que le propre musique dans son tonalité qu'on pas trop à l'aise avec mais qui trop haut pour libre à le faire dès qu'a dit ça qui se passe tout à l'heure parce que je sens que tu n'étais pas à l'aise à un certain niveau dans la prestation que tu gain comme si m'a dit dans créole m'a dit dit que ton petit gens apprécié avec note que tu un petit gens difficile pour est-ce que c'est pas vrai? Oui. Ah, c'est vrai. Donc ce que tu peux faire parce que normalement, li bien, lorsqu'on interprète ton musique sous même tonalité, peut-être avec chanteur là, notre original là, mais si tu n'es pas à l'aise et que tu sais que tu viens à un concours, on peut toujours ajuster dans le sens pour délivrer une plus belle prestation. Sinon, pour la présence sur la scène, je pense qu'on peut faire plus toujours parce que on peut mettre plus chaleur dans la prestation, mettre plus gaieté dans ça que. Alors, partager plus d'énergie, essayer de transmettre message là, ça qu'on sentit dans la musique là, essayer de faire un genre pour transmettre li par le public là. Tu comprends? Oui. Donc, à travailler sur ça yo, et tout comme Rico, pour moi c'est un 7. Merci. Merci, merci beaucoup Bijuna pour ta prestation. Moi je pense que c'est une bonne prestation dans l'ensemble et je vois que tu as fait beaucoup d'efforts pour être présent sur scène. Par exemple, au commencement, tu as des gestes, etc. Mais ça n'a pas arrêté pendant toute prestation en net. Et je vais rejoindre Saraïka et pour te faire remarquer aussi que ou t'es monté tellement haut que après descendre, la voix ne tenait plus quoi. Donc faut continuer travail sur ça et si on a pile intérêt pour chant, musique, mais c'est une bonne prestation que j'encourage moi aussi avec un 7. Merci. J'appelle en cinquième position Odige Aldili Kuka. Bonsoir Kuka. Bonsoir Chana, comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à Dieu, et toi? Très bien, merci. Je vois que tu es bien mise, donc tu es prête? Oui. Tu n'es pas stressée? Non. Tout est ok? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Je t'aime, maman de Laurie Pester. Je t'aime? Maman. Ok, applaudissez pour moi Kuka dans Je t'aime, maman. Je me souviens de nos éclats de rire, même si ça portait de rien. Quel plaisir! Tu savais bien deviner mes angoisses avec des petits mots malins pour que ça passe. Parfois les choses sont difficiles à dire, mais toi seul sais me comprendre et me guérir. On se ressemble jusque dans le regard, et si je manque d'assurance, certains soirs, je marche droit et je me prends pour toi quand je chante et quand je danse en pensant à toi. Parfois les mots sont difficiles à dire, mais toi seul sais me comprendre et me guérir. Tu me donnes toute ta tendresse et tout ton amour, en tenant toutes tes promesses jour après jour. Tu es ma femme la plus fidèle, et une femme toujours un modèle. Tout simplement, je t'aime, maman. Merci. Merci
au DJ pour cette belle prestation. Vous en pensez quoi, les juges? Merci, Kouka, pour la prestation. Kouka, à présent, tu fais partie de la cour des grands, hein? Tu étais oui. là avant? Oui. Ok. Kouka, trouve-toi qu'à chanter. Tu as une bonne voix, tu as une belle voix. Kouka, chanter. Mais presta, pas connais si c'est choix musique là qui pas trop faire justice aujourd'hui. Hein. Et puis nous trouvons côté bien commencer mais à lorsque on va monter dans le refrain, dans petit parfois etc. Nous trouvons que notre là pas trop bon pour. Donc ça que me dit c'est peut-être la prochaine fois, essayez d'aller dans l'autre registre musical, faire choix dans l'autre chanter. Laissez-moi penser que on a jugé voix bien. Et puis, tentez un tissu plus bien toujours. Essayez de reproduire son côté. Ça a toujours été après qu'on voulait faire des variations, etc. Mais tentez un tissu bien pour notre sortie plus juste. Parce que je dis, vous avez remarqué quelques petites détonations. Ok? Et puis, quand le que on prend yon note qui ont tijan ou pour ça pour ta faire c'est essayer de kadi faire ti voix de tête OK utiliser fossette que plus ou pas obligé ou obligé parce que soit elle prend li normal la ville bon tendance que on crier et ça bien sûr que on pas envie faire parce que quand même c'est un concours OK donc j'espère que la prochaine fois tu feras bien mieux mais je crois en toi parce que moi pour qu'à chanter mais quand même pour le moment pour moi c'est un 7-5 ans. Merci. Merci Kouka pour ta prestation. Je suis contente de te revoir. Et dans la cour des grands, tu as beaucoup grandi. Et c'était une bonne prestation. Moi, je trouve que tu peux chanter. Tu as une belle voix, mais n'a pas été assez exploité dans cette prestation. Donc, il te faut encore plus de technique, je pense. Et autre chose aussi, à ta place, ça c'est vraiment un point de vue personnel. À ta place, j'aurais choisi une chanson un petit peu moins enfantin pour revenir, pour annoncer mon grand retour dans la cour des grands. Donc, ben, c'est on l'autre musique qui va permettre nous ouais découvrir voir puis bien. Mais dans l'ensemble, c'était une bonne prestation et je compte beaucoup sur toi pour faire encore mieux la prochaine fois. Pour moi, c'est un 7-25. Merci. Merci Kouka. Et pour moi, bien content de voir au sous scène là encore. Ça veut dire que moi ouais que grand pile technique que ou te travaille sur yo. Mais jodi a tant ti gens ou vague sous scène, c'est surtout posture là. Voilà, mais ou te paraît un monde qui t'en court et qui inquiet qu'a veiller pour le pas faire on fausse note avec voile, tout ça donc ou là regarder et à droite à gauche à chaque temps qu'on cherche justesse là à chaque note qu'on peut prendre donc incertitude ça on pas doit quitter le paraître l'op chanter on doit affirmer montrer mon nous qu'on sort à faire ok bon c'est faut qu'on travaille sur ça m'a encouragé avec yon c'est un 7,75. Merci. Et en tout dernier lieu, nous appelons au DJ Wilga Ella Sibyl, que je vous demande d'applaudir. Bonsoir, Wilga Ella Sibyl. Bonsoir, Shana. Comment ça va? Je vais bien, merci pour toi. Pas plus fort. Je vais bien, merci pour toi. T'es sûr que ça va? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas nous interpréter aujourd'hui? Paradoxe de Darla Golden. Paradoxe? Oui. Ok. Applaudissez Wilga Ella Sibyl dans Paradoxe.
Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et ils voient la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens sa main sur moi. D'autres fois je pleure, je lui dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repousse. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la dit me dépousse. Des fois je me regarde et je vois la grâce de Dieu. Certains m'observent et il voit la trace des cieux. Des fois je suis seule, mais je sens ta main sur moi. D'autres fois je pleure, je te dis papa rassure-moi. J'ai besoin de toi, me laisse pas, je t'en prie reste avec moi. Si t'es pas là, comment je vais faire pour tenir face à ça? T'es mon modèle, t'es mon appui, celui sur qui je me repose. Le premier, le dernier de ma vie, chez qui la dit me dépose. Merci. Avec nous, ODG, Will Gaëla, Sibyl. On écoute maintenant Rico dans ses commentaires. Merci Sibyl. Merci pour ta prestation. Sibyl, et premièrement, pour moi, tu dois travailler sur ta respiration. Parce que, on te paraît stressé sur scène. Et parfois, stress là qu'on fait qu'on respire mal. Et un moyen pour combattre stress, c'est la respiration. Et l'homme mal respire tout, li... où est-ce qu'on en voit? Ok? Parce que je vois ton tige tremblante, il est cassé plusieurs fois, ou perdu souffle plusieurs fois. Donc, il fait qu'il y a un pile cassure dans le chanter. Ok? C'est pas que voix pas là, il y a une justesse. Mais, on doit travailler plus sur respiration, parce que respiration, c'est pratiquement clé chanter. Ok? Et puis, c'est clé ton paquet l'autre bagaille. Donc, respirer, apprendre à respirer pour capable et délivrer mieux. Je t'encourage avec 7,50. Merci. Merci Sibyl pour la prestation. Et Sibyl, la voix est là, mais je trouve que on petit gens trop crispé. Et puis, c'est comme si on peut chanter. C'est comme si on ne voulait trop faire. Tu te dis, bon, je vais rester égal à moi-même, pas faire trop, je vais faire moins sous, je vais prêter dans l'état moyen. Alors que ce n'est pas ça. Parce que si on a chanté, je trouve que faut qu'on cherche qui joue, qu'on mette voix ça, ou qu'on mette en vase là sous voix. Donc, qui ça me propose ou même quand Lola Caillou, je ne sais pas, dans ta chambre, bien, reste devant un miroir, essaie de faire le plus de mouvements possible. Essaie d'articuler, faire plus de. Essaie de faire plus de visage, en pile expression. Et puis, essayer de prendre une dans tout ça qu'on va faire, comme si je dit que on va pas adopter pour vous-même. Fais mouvement, parce que quand tu restes un tout petit peu crispé sur la scène, ça c'est pas beau à voir. Alors que la voix, elle est là. Donc, comme Rico l'a dit également, essayer de travailler respiration en plus. Et puis, la prochaine fois, je te confine avec un petit chanteur qui est un petit genre plus long que ça, que, alors que prestation que vous avez aujourd'hui. Donc, pour moi, Sibyl, c'est un 7,25. Merci. Merci Sibyl et bonne prestation. Tu me donnes une impression de déjà vu. Est-ce que tu étais là les années antérieures? Oui, oui. Bon retour. Et tu as une belle voix. Et, mais pas l'impression que tu es consciente de ça assez. Et tu es venue avec l'idée de, okay, de chanter, mais pas de marquer les esprits. Je trouvais que ou
ou manquer petit tirage ça petit volonté ça pour faire un bagage qui extraordinaire alors que ou capable. Donc je te trouvais un petit peu trop figé sur la scène et ou manquer présence, je vais dire, mais tu peux vraiment chanter ou gon belle voix et prestation en tout est un petit grâce trop coûte. Parce que le fini, personne ne va t'attendre à ce que le fini ou couper le sec. Il faut qu'améliorer l'aspect ça tout dans la prestation. Et pour moi aussi, c'est un 7-25. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes épuisés tous six rayons qui t'a gagné pour performer. Jeudi, hein? Donc, invitez-nous, mettez-nous debout pour danser avec nous parce que ce n'est pas encore la fin. Nous avons juste observé une dernière pause. Qui de l'amour. Soleil d'été 2022. Nous prenons le propose, nous prenons le propose, nous prenons le propose, nous prenons.